Je m'appelle Ali Metaboy. Mm-hmm. Donc, je suis ici pour aider un peu. Mladjawal Anfaf, intervenant. Hachim Said Mohamed. Bah, moi, c'est Shahir. Alors, moi, je m'appelle Zouafir. Je suis membre du collectif Mbukesho Yemasiwa depuis juillet 2015. Je fais partie de l'association Mbukesho Yemasiwa depuis un petit moment, on va dire un an. Moi, c'est Safidine Ankili. Donc, je fais partie du collectif. Je suis d'ailleurs le responsable du pôle environnement et développement durable. J'ai découvert cette initiative de cette association à travers un forum d'échange qu'on appelle FCC. Il y a une des membres de l'association qui a lancé un appel pour des experts qui connaissent un peu le contexte environnemental aux Comores. Et du coup, comme je travaille sur un sujet liant avec les Comores, j'ai directement contacté la responsable de l'association. L'association m'a téléphoné. Elle m'a demandé si je peux intervenir dans le cadre d'une conférence sur l'environnement. Et puis j'ai dit, il n'y a pas de souci. Et qu'espérez-vous de la suite de la journée d'aujourd'hui ? Ben, des contacts, des actions concrètes pour les années à venir et pouvoir s'unir ensemble pour faire des choses et pouvoir aider le pays. Ben, on va essayer de faire déjà le constat déjà et puis proposer des idées en espérant qu'on puisse les mettre en action. Dans cet événement, j'entends beaucoup de choses. J'entends que les gens viennent et qu'on échange. Et surtout qu'à l'issue, à la fin des échanges, à la fin de la conférence, qu'on puisse sensibiliser les gens et que les gens, le public puisse après s'engager soit dans les milieux associatifs qui existent ici en France, ou bien aider les associations qui sont sur le terrain aux Comores et qui agissent au quotidien en faveur de la protection de la biodiversité, par exemple, des espèces menacées en disparition aujourd'hui, comme les salacantes. Bon, bah aujourd'hui, c'est une conférence sur l'environnement des Comores et l'énergie. Nous avons essayé, en tout cas Mbukesho Yemasiwa a essayé de faire venir à la fois des personnes, des organisations qui travaillent sur le terrain comme Dahari, qui mène des projets au niveau de la problématique de l'eau, de la déforestation en Jouan, ou encore Moroni Nour qui viendra nous présenter son projet pour Moroni. Le but, c'est vraiment à la fois faire la promotion de nos îles, permettre une information, une sensibilisation par rapport à l'environnement de manière générale, et puis focaliser sur vraiment des problématiques plus précises qui sont assez urgentes, comme l'érosion, comme l'extraction du sable, comme voilà. Donc ça, c'est une première pour Mbukesho Yemasiwa d'avoir cet espace pour réunir différentes compétences autour de l'environnement, de discuter, d'avoir une réflexion et de voir, de pouvoir renouveler cet événement pour apporter une réflexion et voir comment on peut contribuer de là où nous sommes à faire avancer les choses au Comores. De la situation actuelle de l'environnement au Comores. Mais avant cela, j'ai essayé de vous montrer un petit peu la situation géographique du pays aujourd'hui.
Donc, comme on le sait, les Comores, c'est un ensemble de quatre îles d'origine volcanique. Et il est situé dans le canal de Mozambique entre les côtés est de l'Afrique et Madagascar. Sa superficie est estimée à 2175. La population actuelle est de 750 000 habitants. Et avec un taux de croissance estimé à environ 3% par an, on estime à 1 500 000 habitants d'ici 2033. Donc, à cela, nous connaissons le pays comme les petits de saison, une saison sèche, tempérée, et une saison chaude, pluvieuse. Et la température moyenne, elle est estimée entre 24 et 28 degrés. Donc, on voyait en bref que le pays présente un bon climat pour passer des vacances et aussi pour aller découvrir la famille. Le pays de Comores exporte de la verdure, de la langue et du girofle. En 2012, l'exportation a été estimée à 15 millions d'euros et à la même année, par rapport aux importations, était estimé à 15 millions d'euros. C'est-à-dire que les pays dépensent plus, en fait, on achète plus qu'on reçoit. Voilà. Pour ce qui est de la problématique environnementale, il y a le problème de la superficie qui est limitée. Une superficie qui est limitée et il y a aussi le problème de l'urbanisme qui n'est pas contrôlé. Beaucoup de gens, il y a l'absence même des normes d'urbanisme. Et les gens, ils construisent de façon non contrôlée. Il y a aussi l'économie qui est sensible. On connaît le problème d'économie. On connaît une forte croissance démographique actuellement. Les richesses naturelles sont menacées aujourd'hui à cause notamment aux effets liés au dérèglement climatique. Il y a aussi le problème de la perte de la biodiversité qui est aujourd'hui beaucoup plus visible, on en parlera tout à l'heure. Il y a aussi l'intensification des catastrophes naturelles. Il y a aussi les problèmes de ressources naturelles qui sont plus limités. On connaît aujourd'hui le problème de l'eau au Comores, par exemple. Il y a aussi d'autres problèmes aussi, notamment le problème d'énergie. Et aussi la montée du niveau de la mer accélérée. Lié essentiellement par le réchauffement climatique. Tout cela, ça a un impact, ça accentue les effets liés au dérèglement climatique. Tout ce qui est problème de gestion des déchets au Comores, à l'heure actuelle, on a un problème de déchets. Il n'y a pas de réglementation de déchets, il n'y a pas de structure de gestion des déchets. Par conséquent, les déchets sont jetés. Soit dans la nature ou brûler ce qu'on appelle les incinérations sauvages, brûler dans l'air comme ça. Et ça, ça a un impact, notamment, ça modifie le paysage du pays et qui impacte le tourisme. Et ça a un impact au niveau des nappes phréatiques. Il y a aussi, ça impacte aussi la biodiversité. Ça engendre aussi des maladies vectorielles, notamment le choléra, le paludisme et la dengue. Et il y a aussi l'effet de pollution atmosphérique liée essentiellement par les déchets brûlés. Pour ce qui est de la forestation, on estime que le Comores est considéré le pays où on enregistre aujourd'hui le taux de déforestation la plus élevée au monde. Elle est estimée à peu près 10% par an, soit l'équivalent de 400 hectares de truies chaque année. Pour vous donner une image, c'est l'équivalent d'un terrain de foot qui disparaît à chaque année. À ce rythme, on estime que dans à peu près dans 20 ans à 30 ans, il n'y aura plus de surface cultivable au Comores. Et les principales causes de perte de la biodiversité est essentiellement liée à l'usage du bois, et aussi par l'agriculture. Il y a aussi le bois qui est occupé pour la construction et il y a aussi le bois utilisé dans tout ce qui est distillerie. Les Comores, on connaît actuellement des conséquences majeures liées aux effets de l'environnement climatique, notamment la sécheresse, il y a le déglissement de terrain, il y a l'érosion des sols, l'extinction d'espèces. Si on voyait en photo l'exemple de l'érosion du sol en Grande Comore, mais cet effet est beaucoup plus remarqué sur l'île d'Anjouan.
Pour vous donner un exemple de l'effet de la déforestation aujourd'hui, vous voyez une photo à gauche avant 2012, et ce qui donne en 2012 après déforestation. Et ici, on a un exemple de l'effet de glissement de terrain sur l'île de la Grande Comore. Et ici, pareil, on a un exemple de glissement de terrain sur celui de Morelli. Et un exemple d'érosion du sol sur l'île Bourgeois. Tout ça, c'est pour vous dire que ces effets, on pensait que ça peut exister. Mais non, ça existe déjà au pays, donc on a intérêt à prendre conscience des enjeux qu'on encourt et agir ensemble. Dans les trois îles, un exemple pour vous donner des images des récentes inondations de 2012 aux Comores. Dans les trois îles, sur la Grande Comore a été beaucoup plus impactée. On a estimé à plus de 46 personnes sinistrées en 2012. Et plus de 2200 personnes étaient sans abri. Et la région, quand je dis c'était en Grande Comore, la région de Mambao a été beaucoup plus impactée par rapport à d'autres, notamment dans la ville de Mimatsara, où 525 foyers étaient touchés, Mitsuge et Vuvuni. On a estimé à plus de 20 millions de dollars, soit plus de 18 millions d'euros, les coûts liés à ces inondations en 2012. Merci. Wamu Hiruana Wan Abdallah Numakele Hada. Mujua hada utawalia jule bahari kiasi ya metra 800. Wakati nakasha babi yani wakati nakama na mtati shudia mba milimeni ikana mpaharo mba ikaifungu mba mtuka kujua enda shi malafunu. Leo miri mengi iyo ikuantwa ata deja so na hale wa insi ya buha wangatu. Hale hoho yeni matu ya maji yani maditu ya maji ya kaha ya shahada ya kwene denyu makele na maji pia bile o hau kontoi miri maji ya haya ila wakati wa vua lejao ya shuku morde namna ya koka huhafadhi ulanga ini hazi ya ontu hutani ha unuhada dejari shindiritu wa mfano uto inshiwo. Manazi hazi kaza ketili ya mtu umoja, na shikao shatu shu utunda. Yani wabur sambia, uantu ikomba nede kawasi, kawaja arpara, waji warpare, rike wamoja, rafadhi ulanga mana iyo, tongo muhimu. L'association Lodge d'Ahari, donc l'ONG qui est née en 2013, qui est composée d'une quarantaine de personnes. En fait, c'est à la fois des Comoriens et pas seulement des Comoriens, il y a des Américains, il y a des Français. Et on travaille vraiment à un niveau local en développant des projets liés à l'écotourisme, à la gestion des ressources naturelles. Et voilà, je pense qu'il faudrait essayer dans chaque commune de chacune des îles des Comores de prendre exemple sur cette ONG. C'est de tout cœur que je suis parti de Marseille pour répondre à cette invitation. Et franchement, je peux vous dire qu'à Marseille, il serait très difficile de réunir ce monde un jour du samedi et de concurrencer les machines, donc je ne vous dis pas. Donc je vais essayer de parler de la politique de l'environnement en jeu de perspective, mais autrement. Pourquoi j'ai dit autrement? C'est que ça fait plusieurs années. La politique de l'environnement aux Comores, c'est devenu le gagne-pain. Si on peut constater l'arsenal des structures, des institutions, la mobilisation des bataillons d'experts pour l'environnement, on se serait dit que ce pays ne connaîtrait jamais
un problème d'environnement. Mais je vais parler autrement. C'est-à-dire de ce qu'on ne parle pas ou de ce qu'on ne dit pas. Donc la politique de l'environnement, on revenait un petit peu avant l'indépendance. Avant l'indépendance, il y a eu un problème qui s'est posé parce que les grandes exploitations agricoles des sociétés coloniales se sont appropriées les grandes terres et ont transformé des grands ranchs, des cultures industrielles. Donc, appropriation des terres pour les cultures de la vanille, des lilang, girofle et pas mal de cultures. Si bien que les paysans se sont appuyés à des zones arides parce que toutes les terres fertiles ont été instituées en domaine colonial où on ne faisait que les cultures de l'arbre. Il y a eu également un appauvrissement des paysans, mais aussi il y a eu l'industrie de bois. Les grandes forêts naturelles, c'était devenu vraiment exploitation en masse de bois, d'exportation. Et pendant la révolution, donc juste après l'indépendance, il y a eu aussi des changements, parce que pour la première fois, on a parlé de réforme agraire. Donc la réforme agraire a permis de penser à une certaine gestion du territoire, et plus particulièrement ce qu'on appelait aménagement du territoire. Là, pour la première fois, on a pensé qu'il faut utiliser l'espace par plan d'occupation des sols, et puis on a incité la population à construire à partir des matériaux alternatifs, ce qu'on appelait en Comoré les parapets. Donc on a construit les écoles, toutes les infrastructures de base, et par des matériaux qui venaient de l'environnement, mais qui n'étaient pas forcément du béton armé. Et c'est là où est né le concept Oulanga. Le concept Oulanga, parce que Oulanga, c'est le terme comorien qui désignait l'environnement. D'ailleurs, on l'a appris parce qu'il y a des expressions comme Magia Oulanga, Arémoni Oulanga, etc. Donc c'est là où on a conceptualisé Oulanga pour une politique de l'environnement. Donc, de 1978 à nos jours, on a eu des projets. Mais des projets. Quand on dit projet aux Comores, c'est vraiment. C'est la banque. Donc, on a eu des projets de développement, mais sans financement. Il y a eu l'idée de créer des parcs régionaux. On a parlé du parc au Katala. Ce qui est vraiment une bonne chose. Parc du Sélatan, parc du parc marin de Mouéli, parc pour protéger les recettes du Dirton. Donc il y a eu une essence de bons projets et de grands projets pour le pays. Mais ces projets étaient là. Qu'est-ce qui s'est passé? On a investi beaucoup d'argent, mais beaucoup d'argent, en termes de milliards. D'experts mondiaux. Mais ils sont venus faire l'expertise. C'est tout. Et il n'y a rien pour investir dans des projets. Et ces experts venaient tous des pays de l'Occident. Donc ils venaient là-bas, mais avec des 4x4, avec des gros per diem, avec des salaires faramineux, pour produire des documents. Et dire, bon, les Comoriens, voilà, vous avez le document, vous pouvez vraiment mener votre politique de l'environnement, et puis le budget est fini, la période c'était entre 4 et 5 ans, et la plupart des cas on n'arrivait pas à absorber tous ces budgets, et ça revenait aux financeurs, ce qui fait que peu de projets ont été réalisés, mais beaucoup d'expertises ont été faites. C'est pour ça que je voudrais, pendant ce partage, qu'on touche quelque chose qu'on ne parle pas. Les menaces, parce que bon, il y a des menaces qui reviennent de l'universel. Tout ce qui est dit à travers les conventions internationales et tout, ce que les grandes institutions nous conseillent de faire ou nous obligent de faire. Mais il y a ce que nous faisons pour détruire notre propre environnement. Donc, il y a l'action humaine qui a une part de responsabilité. Je vais parler maintenant d'une menace, qu'on peut dire petite menace, mais qui présente vraiment des dangers imminents.
c'est ce qu'on appelle les POTS. Les POTS, ce sont des polluants organiques persistants. Ils ont produit une toxicité élevée, persistance dans l'environnement, dysfonctionnement du système immunitaire, anomalie du système neurologique, troubles de la reproduction, diverses pathologies comme le cancer, débilité mentale, stérilité, malformation congénitale et diabète. Donc, vous voyez que ce n'est pas une belle affaire. La santé est vraiment menacée à mort, en quelque sorte. Mais là, on ne porte pas attention à ça. Mais les grandes causes, oui, on est prêt pour se battre. Je vous remercie. Est-ce que vous pensez que actuellement les Comores peuvent changer dans la direction des conventions internationales, disons régionales? Par exemple, vous connaissez très bien la Tahiti, Nouméa, Martinique, Guadeloupe, ce sont des territoires français. On ne peut pas exporter de bois, des palettes en bois dans ces pays sans les traiter. Et qu'est-ce que vous avez, avec votre expérience politique et de militantisme, est-ce que vous pensez qu'on peut aussi émerger une lutte commune dans l'océan Indien? Parce que l'écosystème comorien n'est pas aussi simple que ça. C'est tout est lié. Madagascar, La Réunion, Maurice, ainsi de suite. Vous voyez que si on importe du palette non traité de Madagascar, là on va polluer aussi le jardin de Moroni ou de Fomboni ou de Mutsamoto. Il faut une interdisciplinarité. La question de l'environnement, c'est la question de la vie. Et la vie, on ne peut pas la regarder de cela. Donc non seulement il y a nécessité que ce soit pluridisciplinaire, mais aussi interdisciplinaire. Et ce qui serait intéressant, c'est qu'on arrive à avoir une démarche commune. Parce que si chacun veut inventer le monde à sa façon, là on aura toujours besoin d'inventer le monde tous les jours. Donc il faudrait qu'on arrive à avoir une approche commune qui pourra mettre à contribution les compétences des uns et des autres, mais aussi les volontés. Donc je suis d'accord avec la démarche. Natif du Dembéni, je suis doctorant au CIRED, Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, et au laboratoire CESCO, c'est Centre d'écologie et sciences de la conservation, qui est une unité de recherche au Muséum. Donc mon intitulé ici, c'est de vous présenter le projet Réseau national des aires protégées des Comores, un nouvel élan de la politique de conservation de la biodiversité du pays. Donc j'ai mis point d'interrogation parce que vis-à-vis de ce qui a été dit ici tout à l'heure avec monsieur le ministre, il y a pas mal d'initiatives qui ont été lancées, mais au final, ça reste toujours, on dirait qu'au Comore, on a un cimetière à projet, quoi. Donc je me suis posé la question. Donc comme tout projet, il faut situer le projet dans un cadre, dans un contexte bien spécifique pour qu'on puisse avoir soit des financements, soit qu'il soit bancable au niveau des financeurs. Et vis-à-vis de ce projet, RNAP, ce qui a été dit ici, on est que les Comores, c'est un petit état insulaire en développement. Donc il y a une forte démographie et tout cela engendre donc une exploitation intensive des ressources naturelles. Sur la richesse en biodiversité, j'ai distingué deux parties là-dessus. La richesse en biodiversité terrestre, nous avons environ 2000 espèces de plantes répertoriées, dont 150 sont endémiques, c'est-à-dire sont spécifiquement aux Comores, on ne peut pas les trouver nulle part ailleurs. Ça, c'est une étude faite en 1982 par une équipe menée par un Béninois qui s'appelait Adjanoun. Sur les espèces animales, nous avons 158 espèces animales aux Comores en termes d'espèces d'oiseaux. En Gazidia, nous avons 47 espèces nicheuses, dont 11 sont endémiques. En Moëlie, il y a 45 espèces nicheuses, dont 7 sont endémiques. En Joie, il y a 35 espèces nicheuses, dont 5 sont endémiques. Sur les mammifères endémiques, on a donné l'exemple, d'ailleurs, a été montré par Akil, là, sur la recette des mystérieux.
Alors voilà, j'ai présenté ici quelques illustrations sur les espèces cibles de la conservation, c'est-à-dire le projet Renatué. Qu'est-ce que le projet veut vraiment protéger? Donc sur la biodiversité marine, c'est la carte qui a été déjà développée, a été par les deux intervenants, donc ça ne va pas bien de revenir. Et nous avons les identifications, les inventaires font état de 850 espèces de poissons existantes au monde. Les mammifères, il y a le dugong, espèce vulnérable, donc il y a 10 individus au niveau autour de l'île de Mouili. Donc sur les espèces d'oiseaux marins, il y a nos 10 brins et là quelques illustrations de ces espèces cibles sur la conservation au niveau côtier. Une photo en haut, ça représente le dugong. Et d'abord, la tortue verte qui est une photo prise sur le parc marin de Mouili. Et à gauche, avec les oiseaux marins qui sont aussi cibles de la conservation au commun. Donc les solutions à tout ça, à long terme, c'est quoi? Les solutions, c'est de créer un réseau national des aires protégées, c'est-à-dire de voir les zones qui ont été identifiées, comme a été dit par le ministre, il y a certaines zones qui ont été identifiées depuis. Il y a un projet de la COI, projet G32, qui a identifié les zones prioritaires de la conservation. Et ces projets, ces zones sont actuellement retenues et validées par le gouvernement pour mettre en place un système d'aires protégées au niveau des trois îles. Alors, pour vous donner un peu d'idées sur les zones ou les sites retenus, pour former ce système d'aires protégées, il y a l'aire protégée de Tchingui. Voilà une photo qui illustre cette aire protégée. Ici, ça c'est l'aire protégée du Katala. Ça c'est une carte que j'ai élaborée après mes enquêtes que j'ai menées auprès de quelques villages qui sont concernés par le projet de la mise en protection de la forêt du Katala. Donc ça c'est le parc marin de Mouili. Avant, ça s'est créé en 2001. Donc il m'a fait une petite précision par rapport à l'intervenant précédent. C'est créé en 2001 et ça concernait seulement une partie, la partie marine. Et actuellement, on veut faire une extension vers la partie terrestre pour qu'on puisse répondre aux objectifs et à la vision de passer de 2% à 27%. Donc une photo de les protégés de Mouya. Vous voyez, c'est très belle. C'est la forêt qui à peu près reste un peu intacte et qu'on veut à tout prix essayer de sauvegarder. Ça, c'est le protégé de Pimpini, en juin. Et ça, c'est au nord de l'île de Ngazidja. Là, on voit un peu de loin l'île aux tortues. Et là, on veut protéger les tortues qui sont emboudées. La stratégie qu'on va peut-être, comme ça a été discuté sur l'atelier, c'est de prendre une vaste zone qui va même aller jusqu'au lac Salé de Mitsambongi pour faire une protection pure et simple sur cette zone-là. Ici, c'est la zone protégée qui concerne les sélacanthes. On a 400 individus de sélacanthes, selon les estimations des données scientifiques. Et cette zone-là, ça, c'est aussi à faire la protection. Alors, quelle contribution possible pour la diaspora? Ça, c'est aussi une question. On est là, on est en train de parler de l'environnement, mais qu'est-ce que nous allons apporter comme action à ce fameux projet de protéger? Donc, on peut apporter un apport financier dans la mise en place du fonds. Parmi les deux solutions ou les solutions préconisées pour ouvrir un fonds, soit, comme a fait Madagascar, on fait une reconversion de la dette. Madagascar, quand il a lancé le projet de réseau national de ses aires protégées, il a bénéficié d'une reconversion de la dette de l'Allemagne. Ce n'est pas le cas pour les Comores. On est endetté par des pays arabophones qui ne vont pas vraiment sur l'environnement. Donc là, c'est aussi une question. La deuxième solution pour créer ce fonds, c'est qu'on trouve un financement sur les grands bailleurs qui financent l'environnement, par exemple le FEM, le GIEF, ainsi de suite. On peut aussi apporter de l'expertise sur le développement durable, promotion et valorisation de l'écotourisme, des énergies renouvelables. Donc, c'est-à-dire que là, quand j'ai pris vraiment le document de projet, je l'ai analysé, j'ai vu que sur la phase de conception, ça demande beaucoup de l'expertise qui peut être issue de la diaspora. Nous avons ici dans la salle des spécialistes en droit de l'environnement. Il y a eu un lancement là-dessus. Je ne sais pas, peut-être on pourrait avoir quelques-uns qui pourraient postuler et apporter de cette expertise. Et il y a aussi une partie sur la partie opérationnalisation. On a
Le projet va chercher des spécialistes en cycle pour l'élaboration d'une base de données géographiques. Donc, j'ai l'impression que cela pourrait peut-être être issu de la diaspora, qu'on ait des experts qui pourraient intervenir là-dessus pour aider la pérennisation de ce projet. Donc, la participation à des expériences de nature, le terme ou l'expression « expérience de nature », c'est un terme ou une expression récente qu'on est en train de travailler au Muséum. Le fait qu'on amène les enfants d'aller dans un parc, ça fait partie de l'expérience de nature. Et au Comores, il y a la FCC qui œuvre sur des campagnes de randonnée découverte. Peut-être le moment où on est au Comores et qu'on fait des vacances là-bas, on peut amener nos enfants à aller avec les gens qui font les randonnées découvertes pour découvrir la biodiversité du pays. Donc maintenir dans la durée des activités de sensibilisation, de conscientisation sur les enjeux de protection du patrimoine national, encourager les initiatives comme ce qu'ils font ici actuellement, l'association qui nous a réunis ici, le MIM, la FCCF ainsi et d'autres. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je m'appelle Abou Subra, je suis chef d'entreprise dans la communication et l'événementiel. Et d'autres casquettes comme conseil économique et social et encore d'autres. Je vais arriver là. Donc voilà. J'ai une petite question, effectivement, là. On voit bien que l'impact environnemental a une importance capitale pour le développement des territoires qui nous concernent. Et en fait, si j'ai bien compris votre exposé, et ce qui semble être normal, c'est que l'impact environnemental est étroitement lié à la démographie et donc à l'éclosion de l'habitat ou à l'évolution de l'habitat. Est-ce qu'aux Comores, déjà, première question, est-ce que c'est le sujet de l'habitat, c'est quelque chose qui est traité par des politiques publiques qui permettent de cadrer un peu l'impact environnemental? Et la deuxième question, en termes de leadership pour les Comores, est-ce qu'il y a des partenariats, mis à part le WWF, c'est ça? Voilà, mis à part cet organisme, y a-t-il d'autres collaborations qui permettent justement de positionner le Comores dans un leadership sur les politiques environnementales? Je vais tout d'abord commencer à répondre par la deuxième question sur le leadership. Donc, VBF en question, si je l'ai introduit dans mon exposé, c'est pas qu'il est un partenariat vraiment très colossal en termes d'investissement sur l'environnement, mais c'était plutôt pour montrer l'importance de la biodiversité, que c'est l'une des organisations internationales qui donne la classification sur les zones de la planète où il y a une forte biodiversité menacée surtout. Donc, mais le partenaire financier très 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 important là-dessus, c'est le PNUD et le GIEF. GIEF, ça c'est le fonds global. GIEF, ça c'est, on peut le traduire FM, Fonds pour l'environnement mondial. Donc il y a d'autres, par exemple les FAO, le ministre est là, il peut nous donner des éclaircissements là-dessus. Voilà, en quelque sorte, il y a que l'Union européenne, GIEF et le PNUD sont les principaux bailleurs de fonds qui financent l'environnement commun. Parce que bon, actuellement, il y a un projet de changement climatique, ça c'est financé par l'Union européenne. Le projet de la biodiversité, c'est financé par GIEF. Un autre projet de renforcement de capacité sur la gestion de l'eau, c'est financé aussi par PNUD et GIEF. Et sur le problème de l'impact environnemental, ça concerne les habitats. J'ai mené, parce que j'ai eu l'occasion de passer 4 mois là-bas, du mois de mai jusqu'en septembre, où j'ai sillonné des villages qui se trouvent tout autour du massif de Katala. Ils sont effectivement conscients que leurs pratiques ne sont pas appropriées pour la durabilité des écosystèmes. Ils sont conscients que leurs pratiques détruisent l'environnement. Mais, comme ça a été montré sur le film de Dahari, ils n'ont pas d'autres alternatives. Et la question qui se cristallise là-dessus, sur les enjeux de conservation et de développement, comment on va faire pour mettre en place des activités alternatives de revenus pour substituer ces pressions? Donc là, il y a une question qui est un peu à couteau tiré entre le ministère
et l'équipe du projet, parce que l'équipe du projet a une vision, je dirais, à l'occidentale. Il veut former les paysans sur des techniques de montage et de gestion de projet, les sensibiliser là-dessus, et après, s'ils ont conçu leur propre projet par rapport au contexte local, ils vont leur aider en les indiquant, en donnant de la crédibilité auprès des financeurs pour avoir les fonds nécessaires et réaliser le projet. Voilà. Donc, ma question, c'est par rapport au contexte international. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, il y a des pays industrialisés avec leur émission de gaz à effet de serre font payer des pays qui n'ont jamais contribué à cette industrialisation, c'est-à-dire les pays d'Afrique, qui subissent les conséquences de la sécheresse, qui sont obligés de se déplacer dans leur zone d'habitation et ce genre de choses. Donc moi, ma question, c'était de savoir, est-ce qu'on peut mesurer, est-ce que les Comores sont impactés par rapport à ces conséquences-là? Et est-ce qu'on a pu mesurer ça? Et est-ce qu'il y a une politique de compensation au niveau mondial qui concernerait par exemple les Comores sur cet impact sur lequel ils n'ont pas de prise parce qu'ils n'ont pas participé à la détérioration de la couche de zone, ce genre de choses. Voilà. On sait déjà qu'au niveau de la répartition de la production des gaz à effet de serre, effectivement, les pays en développement, les pays du Sud, sont les victimes, sont les premières victimes, alors que leur production s'avoisine autour de 50%, de 5% plutôt. Et donc, par rapport à la question aux Comores, je pense qu'il y a eu, lors de la COP21, la présentation d'un document national sur les propositions de réduction et d'adaptation au changement climatique. Ça a été bien éclairé lors d'une intervention du directeur général de l'environnement sur France 24, je pense. Et il y a eu l'identification des gaz à effet de serre dans tous les secteurs, de l'agriculture, de l'industrie, même de la forêt. Et comme a été présenté par Anki, Ils ont identifié ça et ensuite ils ont proposé des mesures d'adaptation et d'atténuation qui sont estimées à 835 millions de dollars. Donc, est-ce qu'il y a des financements de compensation? Récemment, il y a eu une délégation de l'océan Indien qui est passée aux Comores. Il a fait un apport de 300 000 euros. Pour mettre à la disposition des petites initiatives de projets d'adaptation et d'atténuation. Donc, ce qui fait que, malgré qu'on ne produise pas beaucoup de gaz à effet de serre, au Comores, ou dans les pays du Sud en général, mais ces mécanismes, comme les mécanismes de RED+, ce sont des mécanismes qui essaient de financer les projets pour protéger les forêts, en faisant ainsi que ce sont des puits de carbone. Et voilà, au Comores, c'est récemment qu'il y a eu déjà ce financement de 300 000. C'est rien par rapport à 835 millions de dollars, mais c'est le peu que la COI a pu mettre sur la table pour l'instant. Bon, je me présente, je m'appelle Amine Kadi, je suis en seconde au lycée Jean Noir à Bondy. Vous avez su ça depuis très longtemps, vous êtes préparé ou bien vous avez su ça très récemment? J'ai su ça moi personnellement hier. Ah d'accord, et qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie de venir alors que... En fait, pour moi c'est pas la première fois que je vais aux conférences. Ah. Parce que j'étais élu délégué, donc je fais partie des ONG moi aussi avec un certain groupe de délégués au conseil général. Mmh. Et, maintenant je suis au lycée, donc je fais partie du conseil régional. Et on organise des fonds pour le développement durable. D'accord. Et qu'est-ce que tu en as pensé de ce qui s'est passé récemment? C'était très intéressant et très divertissant.